Est-ce que ça fonctionne? Coucou. Je crois que oui. Est-ce que vous m'entendez? Juste mettre un petit coucou, un petit oui, un petit quelque chose pour me dire que vous m'entendez bien. Yes. Ah, super. Bon, mais cool, si tout le monde entend, c'est super. Coucou. Ah, j'aime trop. Coucou. Bon alors, l'objet de ce live, c'est de faire un petit récap du marathon de Chicago, savoir comment je suis partie. D'ailleurs, regardez, je me la pète un petit peu. J'ai mis le t-shirt officiel. Enfin voilà, vous raconter un peu comment ça s'est passé. J'ai eu plein de questions, donc voilà. On va pouvoir passer un petit moment ensemble. Si je suis pas trop blonde sur les bords, je vais essayer de l'enregistrer et je mettrai le replay sur YouTube, comme ça vous pourrez le re-regarder si ça vous fait plaisir. Ou pour les personnes qui pourront pas être là, parce que j'ai eu pas mal de demandes quand même de personnes qui m'ont dit est-ce qu'on pourra voir ce live. Donc allez-y, la boîte à questions est à vous. J'ai reçu déjà quand même pas mal de questions. Donc je vais commencer peut-être toute seule et puis après, au fur et à mesure, s'il y a des personnes qui arrivent ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Donc on va attendre peut-être deux petites secondes et puis voilà, en attendant, vous pouvez mettre vos questions, je vais les lire, j'en ai déjà noté et voilà quoi. Donc il y a déjà du monde qui arrive, c'est rigolo. Coucou, ben coucou à tous ceux qui arrivent. Coucou, coucou. Je vais commencer peut-être pour pas être dans le vide comme ça pendant un petit moment. Bonsoir. Alors, la première question qu'on m'a demandé, c'est qu'est-ce que c'était les six majors et pourquoi est-ce que je voulais faire ça. Alors, les six majors, c'est six marathons qui appartiennent à la même organisation. Donc, ces six marathons, c'est Berlin, Boston, Tokyo, Chicago, Londres et il m'en manque un, j'ai dit quoi? Berlin, Boston, Tokyo, Chicago, Londres et New York. et voilà, donc à chaque fois qu'on termine un marathon, on a la médaille du finisher. Et si jamais on termine les six, on a la grosse médaille qui dit que vous êtes le finisher des six majors. Voilà, ça s'appelle comme ça. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? De base, c'était pas du tout prévu que je fasse des marathons. J'ai commencé par le marathon d'Amsterdam. Une fois que j'ai franchi la ligne d'arrivée de ce marathon, j'ai dit plus jamais je ne ferai de marathon, voilà, de ma vie. Voilà. Une fois avoir franchi cette ligne, j'ai fait c'est fini, je ne veux plus faire de marathon. Et puis bon bah, finalement la rigueur de l'entraînement ça m'a manqué, donc je me suis dit bon bah, ok, qu'est-ce que je fais après? Et c'est là que j'ai appris l'existence de ces fameux six majors. Et donc je me suis lancée dans cette quête après mon marathon d'Amsterdam. Donc j'ai commencé par Berlin en 2018, où là c'était donc mon second marathon où j'étais mieux préparée, donc le marathon s'était super bien passé. Je vous encourage vivement à faire le marathon de Berlin si vous cherchez un marathon. Déjà de base j'adore salut. déjà j'adore cette ville, donc vraiment puis le parcours est hyper roulant, donc très bon souvenir à Berlin en tout cas en 2018. L'année d'après, je devais faire le marathon de New York, donc en 2019. Mais pour ceux qui ne savent pas, je me suis blessée. Je me suis fait une fracture de fatigue du talon lors d'une course, lors du semi-marathon des Landes. Donc du coup, je ne pouvais plus poser le pied par terre, je ne pouvais plus marcher. Et je suis quand même partie à New York avec ma petite famille. D'ailleurs, ma mère vient de se connecter, donc maman, coucou. On est parti donc à New York en famille, mais du coup j'étais en béquille, donc évidemment que je n'ai pas couru le marathon. Voilà, j'ai pu m'imprégner de toute l'atmosphère, c'était juste génial. Ensuite, il y a eu le Covid, donc pendant 2 années, que dalle. Et puis l'année dernière, j'ai fait le marathon de Londres, où je pense que c'est un chouette marathon, mais moi je l'ai très très mal vécu.
parce que j'avais des soucis de santé qui ne sont pas forcément tous réglés, mais en tout cas, à partir du kilomètre 26, c'est comme si on avait appuyé sur un bouton et il n'y avait absolument plus personne. Donc les 16 derniers kilomètres, j'ai vécu l'enfer. Donc même si je m'étais préparée comme il faut et que je visais de faire 3h30 à Londres, j'avais envie de faire ce temps-là, j'ai fait 3h40. Donc j'ai fait 10 minutes de plus que ce qui était prévu, mais j'étais tellement contente d'avoir recouru un marathon après toute cette galère au niveau de la blessure et au niveau de la santé, c'était cool, même si je l'ai quand même un peu ici, parce que jusqu'au kilomètre 26, j'étais vraiment en feu. Mais bon, c'est comme ça, c'est un marathon, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui va se passer. Et donc, cette année, j'étais au marathon de Chicago. Donc c'est mon troisième major sur la fameuse liste des six. On m'a demandé comment on faisait pour s'inscrire à ces majors. Merci Léa, n'est-ce pas? En fait, les majors, c'est pas comme la course du coin où il suffit de se connecter au site internet et hop, après vous pouvez participer. Il y a des prérequis à faire. Donc il y a, pour la plupart, on va généraliser, pour la plupart, il y a quatre options pour s'inscrire à un major. La première, c'est un tirage au sort. C'est-à-dire que pour donner la chance à tout le monde, ils ouvrent une période. Par exemple, on prend le marathon de New York. La période, généralement, c'est sur 2 ou 3 semaines en janvier. Tous ceux qui veulent s'inscrire, vous vous inscrivez. Coucou Suzy. Et vous vous inscrivez. Une fois que cette période est terminée, c'est fini. On ne peut plus s'inscrire. Et à l'issue, ils font un tirage au sort. Et si par bonheur, vous avez la chance d'être sélectionné, eh ben, vous pourrez participer au marathon. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est vous rentrer dans les standards de temps. C'est-à-dire qu'ils ont défini un tableau. Alors, c'est pareil, ça dépend des marathons. Chaque marathon a son propre standard. Ça veut dire qu'ils définissent, en fait, ils se disent, pour une nana qui a entre 18 et 25 ans, elle doit être capable de courir le marathon en tant de temps. Pour une nana qui a entre 20 et 25 ans, c'est tant de temps, etc., etc. Donc, par exemple, là, pour le marathon de Chicago, moi, c'est comme ça que j'y suis allée. Je suis rentrée dans le temps standard pour une nana qui a mon âge. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque où je me suis inscrite, moi, j'avais 35 ans. Je devais prouver que j'étais capable de courir un marathon en 3h40. Et à Berlin, j'ai fait 3h39. Donc, du coup, ça passait. J'ai pu m'inscrire comme ça. Donc, ça, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est de passer par un tour opérateur. Donc en fait, un tour opérateur, c'est une agence spécialisée dans les voyages marathons. Et eux, en fait, vendent des packages complets. Vous ne pouvez pas juste acheter le dossard avec le tour opérateur. Vous devez à minima acheter soit dossard et avion ou dossard et hôtel. Mais dans la plupart des cas, vous achetez le package complet, c'est-à-dire que vous achetez l'avion, le dossard et l'hôtel. Et évidemment que le tour opérateur se fait une petite marge, donc ça coûte assez cher. Donc ça, c'est la troisième option. Coucou Lily. Et la quatrième option, c'est faire ce qu'on appelle la charity, c'est-à-dire que vous levez des fonds pour une association. Sur le site du marathon, vous avez un petit onglet qui s'appelle charity. Vous voyez toutes les charities qui sont disponibles. S'il y a une charity qui vous parle un peu plus qu'une autre, c'est-à-dire que vous êtes intéressé pour défendre cette cause, vous leur écrivez. C'est comme un peu postuler en ligne. Vous devez expliquer pourquoi est-ce que vous devez lever des fonds pour cette charity, pourquoi elle vous touche, qu'est-ce que vous comptez faire comme action pour lever de l'argent. Et si vous êtes sélectionné, vous avez un certain temps pour lever un certain montant, en échange de quoi, ils vous garantissent une place pour le marathon que vous avez choisi. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour Londres, parce que Londres est l'un des tirages au sort les plus compliqués à avoir. Donc pour Londres, j'avais choisi la Royal Osteoporosis Society, accent anglais du tonnerre de Dieu. Et donc c'est une asso qui met tout en œuvre en fait pour aider les gens qui sont atteints d'ostéoporose, qui ont des problèmes aux os, etc., etc. Donc moi, ça me parlait vachement avec ma fracture de fatigue. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai choisis eux. Donc pour le marathon de Londres, je devais lever la somme de 1600 ou 1700 livres. Grosso modo, avec le cours de l'euro qui a varié pendant toute cette période, ça a fait 2000 euros.
Et donc, une fois que j'ai réussi à récolter cette somme, je leur ai donné. Et eux, en fait, ils m'ont intégré à leur team et j'ai couru pour les couleurs de la Royal Osteoporosis Society, le marathon de Londres. Voilà les quatre manières de se connecter. Donc, le tirage au sort, le tour opérateur, le temps ou lever des fonds pour une asso. Pour Chicago, donc qui était dimanche dernier, comme je vous le disais, je m'étais qualifiée au temps. Donc, il fallait faire 3h40, 3h39, je passais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Mon objectif pour ce marathon de Chicago, c'était de décrocher un temps pour le marathon de Boston. Parce que le marathon de Boston a une petite particularité, c'est que lui, il n'y a pas de tirage au sort. Donc, ils disent que c'est le marathon un peu qui se mérite. Donc, soit vous passez par un tour opérateur et ça vous coûte un bras, soit vous levez des fonds pour une asso, mais alors là, c'est pas du tout les taux de Londres. Le minimum que j'ai vu, c'est 9000 euros. Donc, pour lever des fonds pour... enfin, 9000 euros, il faut les trouver quand même pour lever des sous pour une association. Donc, c'est quand même un certain palier, c'est beaucoup d'engagement, même si c'est super de lever des fonds pour une asso, ça demande énormément d'énergie. Et déjà, quand j'ai levé 2000 euros, c'était quand même quelque chose. 3h40, c'est le temps femme, oui. C'était, à l'époque, c'était ça. C'était le temps femme d'une femme qui a 35 ans, dans ces eaux-là. Et donc voilà, 9000 euros, même si c'est pour une noble cause, c'est une somme trop importante. Pour moi en tout cas, pour aller lever des fonds pour une asso. Donc il me restait l'option de me qualifier au temps. Donc une vieille comme moi maintenant qui a passé un step, il fallait que je fasse 3h35. Sachant qu'à Londres, je visais de faire 3h40, je savais très bien que les 3h35, non je visais 3h30 pardon, les 3h, on l'a refait. À Londres, je voulais faire 3h30. Du coup, les 3h35 de Boston, je savais que je pouvais les faire. Si pas de pépins de santé, si pas de problème en cours de route, normalement, ça devait le faire. Sauf que 3h30, moi, j'avais plus envie de faire 3h30. Je savais que si je m'entraînais fort, je pouvais faire mieux. Donc, avec ma coach ici présente, Suzy Wan, nous avons, enfin surtout elle, élaboré un plan et un plan d'entraînement spécial pour moi pour faire en sorte que je ne me blesse pas à nouveau. Donc voilà, elle a vraiment adapté, elle a vraiment été à l'écoute de mes sensations pendant toute cette prépa. Et c'est plus confiante que jamais que je suis partie pour ce marathon de Chicago. Donc ça voilà, c'était un peu... Tout le périple pour Chicago. Donc, l'objectif, c'était donc fameux 3h35. Je savais que dans les jambes, j'avais au minimum 3h30. Et moi, j'avais un objectif secret que je n'ai dit à personne. Enfin, il y avait juste Suzy qui savait à peu près comment j'étais. Mais voilà, j'avais mon objectif secret que je n'ai dit à personne et qui... en fait, ça s'est super bien déroulé pour moi puisque mon objectif secret, c'était de faire 3h23 et j'ai fait 3h23 et 16 secondes au marathon de dimanche. Combien de temps pour la charity ? Alors, pour la charity de Londres, alors ça dépend vraiment des charities, mais je crois que la moins chère que j'ai vue à l'époque, c'était 1600 livres. Donc il faut aller voir en fait sur le site et tu vas trouver toutes les infos. Mais en fait il y a des. Ça dépend des charities quoi. Donc ça fait 1600 livres, ça faisait à l'époque, ça faisait 2000 euros à peu près. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça bouge tout le temps, quoi, le cours. Donc voilà. Moi je visais 3h23-56. C'est très précis. Et ben non, j'ai fait un petit peu mieux. Donc voilà. Pour tout ce qui était de l'inscription, en fait, on va dire, pour Chicago. Ensuite, on m'a demandé où est-ce que j'avais dormi, comment ça s'était passé. Donc, il faut savoir que Chicago, c'est une ville qui est très grande, évidemment, et que j'ai commencé à me renseigner au mois de janvier pour trouver un logement pour le mois d'octobre. À cause des différents reports, à cause du Covid, etc., etc., j'avais plus personne en fait pour venir avec moi à cette période. Donc, habituellement, en fait, quand je voyage avec mon chéri ou des copines, j'ai toujours l'habitude de passer par Airbnb, soit de prendre un logement en entier, soit de prendre une chambre chez l'habitant, quoi.
Et là, vu que j'étais toute seule, je me suis dit peut-être que je me sentirais plus en sécurité si je prenais un hôtel. Donc j'ai commencé à me renseigner, j'ai regardé, et en fait, tous les hôtels, déjà à la date du marathon, c'était tout quasiment complet. Donc j'ai commencé un petit peu à flipper, je me suis renseignée un peu sur des Airbnb, et en fait, le moins cher que j'ai trouvé, c'était des Airbnb à $175 la nuit, à 1h30 de métro, de tram, de train, je sais plus, du centre-ville, enfin du départ quoi, de la course. Donc si vous faites les petits calculs, 175 fois 4 nuits, ça faisait quand même un sacré budget. Les hôtels, c'est pareil, il y en avait qui n'étaient pas complets, mais c'était à 500 boules la nuit. Donc c'est pareil, pour mon budget, malheureusement, ça ne passait pas. Et du coup, à force de demander à droite à gauche, j'ai fini par tomber sur cette famille. En fait, c'est des amis d'amis d'amis, de collègues, de voisins, de la tante qui a joué au foot avec le frère de la concierge. Et en fait, ils ont accepté que je vienne chez eux pour toute la durée du marathon. Donc j'ai débarqué chez Alexandra et Florin, donc Alejandra avec un J, et Florine, et leur petit bébé Alec, le jeudi. Ce qui était génial, c'est que le papa courait également le marathon. Donc en fait, j'ai vécu avec eux tout ce week-end autour du marathon. Le papa était déjà un super sportif, puisqu'en fait, lui, c'était son 5e marathon de Chicago. Lui, son dada, c'est de faire des Ironman. Donc, comme il me disait, courir que le marathon, on va dire, pour lui, c'était facile. Donc, voilà, on a été chercher ensemble les dossards. Donc, il faut savoir que l'expo, le parc des expos, c'est immense, c'est incroyable. J'ai été au parc des expos de Berlin, de Londres, de New York, même j'y suis allée quand même récupérer mon dossard, même si j'étais blessée. Franchement, le parc des expos de Chicago, c'est la folie. C'est immense, immense, immense. Il y a des stands de tout, partout. On peut récupérer plein de goodies. Donc j'ai récupéré un poster, j'ai récupéré une petite clochette là pour faire du bruit. Qu'est-ce qui donnait encore un truc pour poser le portable pour quand on est sur l'ordi par exemple, ou le bureau quoi, l'avoir porté. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de la bouffe, mais partout, partout. Le stand Beyond Meat, vous savez, c'est de la viande végétale, on va dire. Donc il y avait un gros stand de ça. Il y avait un gros stand qui donnait des porridge déjà tout prêts dans des petites boîtes. Bon, il faut savoir que quand même les États-Unis, niveau écologie, on repassera. Hein, tout était sous plastique, malheureusement. Mais voilà, des petits porridge au chocolat, à la vanille. Enfin, voilà. Le papa, il était trop drôle parce que lui, vu que c'était son 5e marathon de Chicago, il connaissait exactement là où il fallait aller. Tout ce qui était gratos, il savait où il fallait y aller. Donc voilà, on a récupéré plein de trucs. Il y avait un stand où aussi ils offraient de la bière. Donc moi, j'ai offert ma bière. Hein. J'ai pas bu la bière. Qu'est-ce que j'ai récupéré encore ? Il y avait du Babybel végétal, j'étais choquée de voir ça, des trucs. Apparemment, c'était dégueulasse. Moi, j'ai pas goûté le Babybel végétal, mais apparemment, c'était pas la folie. Enfin, voilà, il y avait énormément de choses. Nike, qui était donc le sponsor officiel, je sais pas si on le voit. C'est pas marqué quelque part que c'est Nike ? Ah, si, ici. Donc, Nike, qui était le sponsor officiel, avait un espèce de stand, mais gigantesque, gigantesque, vraiment. Et alors là, je me suis fait violence hein, pour pas tout dévaliser. Parce que franchement, il y avait des choses, mais trop belles quoi. Il y avait des shorts, il y avait des t-shirts, il y avait des chaussettes. Il y avait plein de couleurs, plein de déclinaisons. Enfin, je vais y craquer pour un débardeur, mais... 58$ le débardeur, sachant que voilà, il y avait déjà ce t-shirt dans le pack du marathonien. Il faut savoir que quand même, voyager comme ça, ça a un coût. Donc je me suis dit, calme-toi, tu verras après, par la suite, peut-être que tu t'achèteras d'autres choses, mais j'ai pas craqué. Mais voilà, toutes les marques en fait avaient personnalisé leur t-shirt. Donc il y avait Oka, il y avait New Balance, il y avait Saucony, et tout le monde avait mis un petit mot, tout le monde avait personnalisé vraiment aux couleurs du marathon de Chicago. Donc franchement, c'était super chouette. L'expo, c'était vraiment super impressionnant.
Donc voilà, après c'était hyper bien organisé aussi. Donc ben, c'est les États-Unis, hein, donc il faut montrer patte blanche. En fait, on arrive, on montre le passeport pour pouvoir rentrer. Ensuite, il faut se diriger vers une borne. À une borne, on nous donne un code qui nous amène à un autre truc. Il se trouve que la bénévole qui m'a renseignée, elle était française, ça c'était trop le hasard, mais c'était trop bien. Donc là, elle m'a donné. Qu'est-ce qu'elle m'a donné, elle? Elle m'a donné le dossard dans l'enveloppe. Et après, on rentre dans le truc des expos, et là on va chercher la poche avec le t-shirt et toutes les barres de céréales. Et trop de la chance, ils se sont trompés en fait dans ma poche plastoc dans laquelle il y avait les t-shirts. En fait, j'ai eu deux t-shirts du marathon de Chicago. Donc voilà, j'ai dit, en plus j'ai dit à la maman, mais si vous voulez, on va les changer, parce qu'après il y avait un truc pour échanger les tailles si jamais ça n'allait pas. Et je lui ai dit, mais si vous voulez, on va échanger, et puis je vous prends votre taille, comme ça vous aussi vous avez. Elle dit, non, 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 vous inquiétez pas, comme ça t'auras deux t-shirts. Donc voilà, j'ai deux t-shirts du marathon de Chicago. Ça, c'était plutôt la bonne surprise. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu comme autre question? On m'a demandé si les gens parlaient français ou si j'avais dû parler anglais pendant tout le séjour. Et non, j'ai parlé anglais pendant tout le séjour. Alors, c'est très drôle parce qu'il faut savoir que là, c'est pas des purs américains, entre guillemets, ils sont issus de l'immigration. Donc, la maman, elle est mexicaine et le papa, il est roumain. Et moi, je suis française. Donc, on parlait anglais, on se comprenait super bien, on a eu de super grandes discussions et tout, c'était génial. Mais alors, chacun avec son petit accent, je pense que ça devait valoir le détour et c'était très cool. Mais en tout cas, on a bien réussi à discuter. Et, voilà, c'était franchement, ils étaient adorables. J'aurais pas pu rêver mieux comme famille. Ils m'ont mis vraiment à l'aise, comme si j'étais un membre de la famille à part entière. Tu te sers dans le frigo. Si tu as besoin d'aller faire des courses, on va faire des courses. Si tu as besoin d'aller là, on va là. On a envie de te faire découvrir ceci. On va envie de te faire découvrir tout cela. Enfin, voilà, ils étaient vraiment, vraiment adorables. Après, si on parle vraiment de la course à proprement parler. Donc, faut savoir que la course démarre très très tôt. C'est une des courses toutes distances confondues qui a commencé la plus tôt, puisque le départ était à 7h30. Eux, ils habitaient à 40 minutes du départ, donc il fallait quand même y aller de bonne heure. Ils recommandaient en fait sur le site d'arriver à 5h30. Donc, nous, on n'est pas arrivé à 5h30 quand même. Mais je suis arrivée, il était 6h30, un truc comme ça, donc il faisait nuit. C'était trop bizarre de déambuler comme ça dans Chicago dans la nuit. Et ensuite, il y avait différentes vagues. Moi, j'étais dans la vague 1. Et dans les vagues, il y avait différents couloirs. Et dans la vague 1, il y avait le couloir A, B, C, D, E. Et moi, j'étais dans le couloir E. Et le papa, lui, il était dans la vague 2, couloir A, B, C, D, E, F, F, du coup, juste après. Et en fait, donc à 7h30, les A sont partis, et puis après, en fait, c'était hyper bien organisé. Puisque d'habitude, par exemple, pour le marathon de Berlin, même si on est A, B, C, D, E, on est tous dans la même vague et limite tout le monde part en même temps. Là, non, on était vraiment cloisonnés avec toute la rigueur américaine, talkie-walkie et tout le tralala, et là, on ne pouvait pas passer quoi. Et donc, je pense qu'entre chaque vague, il devait y avoir peut-être 5 minutes, un truc comme ça. Et pourquoi si tôt? Je pense que Chicago est une grande ville et que bah, y a quand même à peu près 40, 45 000 coureurs, je crois. Et la barrière horaire, il me semble, si je dis pas de bêtises, ça devait être 6h30 ou 7h. Donc bah, après, il faut que la vie reprenne son cours, à mon avis, et que bah, voilà, ça brasse des gens. Et voilà. Et par rapport à la chaleur, j'allais y venir. Donc, je pense que le matin, quand il faisait nuit, il devait faire entre 8, 9, 10 degrés, un truc comme ça. Donc, franchement, il faisait pas froid. Alors, après, moi, j'aime courir quand il fait froid, mais il faisait pas hyper froid, on va dire. J'ai eu fait des départs où il faisait bien plus froid, n'est-ce pas, Léa, Amélie, Jérémy et Damien à Berlin? Où on a pris le départ et il faisait moins 1, je pense, il neigeait de toute façon sur la ligne de départ. Là, non, c'était pas du tout le cas. C'était tout à fait acceptable comme température. Le problème, c'est que Chicago s'est surnommée la ville The Windy City. Et ben, franchement, ça tient bien sa réputation, puisque il y avait un peu de vent, et le vent, en fait, était
glacial. Et quand le vent se mettait à souffler, franchement, il faisait hyper froid. Donc au début, pas de problème, puisque j'avais ma tenue, et puis par-dessus, j'avais le fameux pull moche et le kawé moche. Faut savoir que dans les grands marathons, comme ça, vous avez la possibilité de mettre votre tenue et de mettre une tenue par-dessus que vous allez jeter. Et le pull, les kawés ou les gants, enfin ce que vous mettiez en tout cas, c'est pas jeté à la poubelle, c'est récupéré pour des associations. Donc voilà, quand vous jetez, vous savez que ce sera réutilisé et que ça ira à des personnes qui en ont besoin. Donc ça c'est super. Donc au début, j'étais bien couverte, tout allait très bien. Et puis quand ma vague a commencé à avancer, ben, forcément que j'ai enlevé mes affaires. Et là, on a attendu peut-être 5 minutes et en fait, là, il faisait super froid. On voyait tout le monde grelotter, on était tous comme ça. On voyait toutes les filles, elles avaient la chair de poule. Enfin, je revois encore la nana à côté de moi en train d'avoir les mollets qui, comme ça, tétanisés. Donc, je pense que je me suis quand même bien contractée au départ, parce que après, je vous raconterai, mais après, j'étais toute contractée d'ici là, partout, les trapèzes, j'ai dû être comme ça pendant le début. Et puis après. Je crois que j'ai pris le départ, il devait être finalement 7h48, un truc comme ça. Et là, bam, top départ. Et là, ben, la magie opère, quoi. On commence à partir et là, en fait, tu te dis, ah ouais, purée, quand même, je suis en train de courir dans les rues de Chicago, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Et le problème qui s'est posé, c'est qu'au début, bon, ça, je n'avais pas encore capté, ma montre, elle m'indiquait des rythmes, mais c'était n'importe quoi, les allures. Elle pouvait m'indiquer 3,35 au kilomètre, et puis d'un seul coup 6,20, sachant que j'avais travaillé pour être sur des allures entre 4,45 et 4,50. Si tu pars à 3,40 au kilo, ça va pas le faire du tout, quoi, ton marathon, tu vas pas le tenir jusqu'au bout. Donc j'étais là, mais putain, mais c'est quoi ce délire et tout. Puis après, d'un seul coup, 6,20, et j'étais là, mais du coup, je suis pas assez rapide, enfin, c'est quoi. Enfin, il y a eu 3 km comme ça où j'étais en panique, j'étais là, mais si c'est ça tout le marathon, ça va être la merde, enfin, ça va être... Oh, mais comment je vais faire, quoi. J'ai un peu paniqué au début. Et puis après, je me suis dit, mais attends, mais en fait, là, ta montre, elle capte pas le GPS parce que t'es en plein centre, enfin, si on peut appeler ça le centre. Mais les buildings, en fait, étaient tellement hauts que j'ai discuté après, du coup, avec d'autres personnes qui ont fait la course. Et tout le monde a eu ce problème, en fait, en début de course. C'est-à-dire que les buildings sont tellement hauts que le signal GPS ne passait pas et que les montres, elles s'affolaient et elles disaient n'importe quoi. Donc, j'ai eu 3 km comme ça où j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc, le premier kilomètre, par exemple, je crois que je l'ai fait en 3,40, un truc comme ça. Et puis, le deuxième, du coup, j'étais en 5,20. Donc, c'était pas bon. Donc, ça a été un peu compliqué. Et je me suis dit, bon, écoute, Charlotte, tu vas pas paniquer, t'as travaillé les allures à l'entraînement, les allures sans ta montre, t'arrives à peu près à les connaître maintenant. Donc, j'avais repéré que derrière moi, il y avait un meneur d'allure avec un panneau 3,30. J'étais devant ce mec. Je me suis dit, tant que tu te fais pas doubler par ce mec, ça veut dire que tu es bonne pour faire 3,30. Et donc, tu aurais ta qualif pour le marathon de Boston. Donc, je suis partie comme ça en me disant, allez, déstresse, tant que le mec il est derrière, c'est que t'es bon. Et finalement, après, on est parti. Enfin, on s'est un peu excentré de l'hypercentre, si je peux dire. Et après, du coup, la montre, là, vraiment, s'est remise à bien fonctionner. Et là, j'étais quasiment un métronome, quoi. 4,40, 4,42, 4,40, 4,42, 4,40, 4,42. Et là, les kilomètres ont défilé à une vitesse, au début, à une vitesse pas possible. Et puis après, ça a été un peu plus lent, mais... Mais franchement, le début est passé hyper, hyper vite avec une ambiance de dingue, quoi. C'était mon quatrième marathon, le marathon de Chicago, dimanche dernier. Déjà, ça passe trop vite. Et niveau ambiance aussi, on m'a demandé comment ça s'était passé. Alors, énormément de gens tout au long du parcours. Franchement, c'était incroyable. Des gens avec des panneaux... avec des panneaux hyper marrants, des gens, encore une fois, mais ça j'avais remarqué ça déjà à Londres, les gens, ils impriment la tête de leurs proches en méga grand, et ils sont là avec la tête de leurs proches. Je me disais, mais moi, si j'avais quelqu'un comme ça qui avait imprimé ma tête, ça m'aurait fait trop, trop rire. Et un truc apparemment que je n'avais pas vu et qu'on m'a expliqué après, apparemment, à des endroits stratégiques pendant la course, il y avait des écrans géants. Bon, je vous avoue que je n'ai vu aucun écran géant, mais bon, voilà. Et si vos proches ou même vous-même
téléchargiez une certaine application avec, et vous mettiez une photo avec un petit mot, vous l'envoyez après sur le site. En fonction du tracker, l'écran géant était censé diffuser le message de votre proche au moment où vous passiez devant l'écran. J'ai trouvé ce concept génial. Mais bon, je l'ai découvert trop tard. Et puis de toute façon, j'étais tellement dans ma course que moi, j'ai vu aucun écran géant. Donc comme ça, au moins, c'était plié. Après, on m'a demandé comment s'était passée la course. Donc, kilomètre 1, 2, 3, donc on a dit très chaotique. Ensuite, kilomètre 5 qui arrive très vite, kilomètre 10 qui arrive très très vite aussi, kilomètre 15 pareil. Juste au kilomètre 15, il s'est passé un truc un peu bizarre. J'arrive au kilomètre 15, enfin environ, et là, gros bouchon. Énormément de gens. J'ai été là, mais je sais pas ce délire, j'ai pas l'impression que les rues se soient rétrécies. Comment ça se fait qu'il y a autant de gens agglutinés à cet endroit? Donc, j'essaye de traverser. Bon, franchement, j'ai lutté quoi, à passer à travers tous ces gens. Et puis, au milieu du peloton, à peu près, je vois un mec avec un panneau 3h30. Et là, je fais 3h30. Et je fais, mais c'est quoi ce délire? Le meneur d'allure de 3h30, il est censé être derrière moi. Comment ça se fait que là, d'un seul coup, il se retrouve devant moi? Donc, j'essaye de me frayer un chemin tant que je peux. Et quand je double, je me dévisse la tête pour regarder comme ça en arrière, en me disant, mais qui sont ces gens quoi? Et en fait, je remarque que c'est le groupe d'avant. En fait, j'ai tellement bien gazé au début que je suis en train de rattraper le meneur d'allure, mais du groupe D. Donc moi, j'étais groupe F, j'étais groupe E. Donc en fait, ça prouvait que j'étais vraiment en avance sur ce que je m'étais fixé comme objectif. Donc du coup, je me suis dit, ok, là Charlotte, t'es en feu, continue comme ça. Ensuite, le kilomètre 20 arrive, kilomètre 21... Le truc qui est super aussi, je trouve, mais après ça c'est une question de mental, mais aux États-Unis ils résonnent en miles, donc les panneaux avec les kilomètres étaient assez petits et les panneaux avec les miles étaient assez gros. Ce qui fait que quand tu passes au kilomètre 21, donc le semi-marathon, la moitié, c'est marqué 13 en méga gros. Et en fait, mentalement, c'est bête, hein, mais quand on va marquer 13, on se dit, ah bon, 13 kilomètres, c'est un petit chiffre, ça va. Enfin, le mental, si tu lui dis t'as fait que 13 km et après tu lui mets un panneau, tu lui dis t'as fait 21 km, bah, t'as plus tendance à être fatigué en ayant regardé le 21 que le panneau 13, alors qu'au bon, final t'as fait exactement la même distance. Mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, kilomètre 21, tout va bien. J'avais un peu peur du kilomètre 26 parce qu'en fait à Londres, c'est là où j'ai commencé à avoir tous mes problèmes et que ça s'est vraiment très très mal passé par la suite. Donc j'essayais de me dire, bah, écoute, Londres, c'était Londres, Chicago, c'est Chicago, là tu te sens bien, il n'y a pas de raison que ça aille pas, donc voilà. Donc arrive le kilomètre 25, et en fait je rate le kilomètre 26, parce que tous les kilomètres, comme je vous disais, les kilomètres étaient vraiment écrits en petit. Et là d'un seul coup, je vois marquer kilomètre 27, donc je me dis, bah, écoute, tu vois, tu te sens bien, tout va bien, reste sur ce rythme, et tout ira bien jusqu'à la fin. Et ma stratégie, c'était de maintenir une allure assez confortable jusqu'au kilomètre 30. Et si je le pouvais, au kilomètre 30, on envoie les chevaux. Arrive le kilomètre 30, et là je fais, non, là je ne peux pas envoyer les chevaux. Enfin, j'aurais pu, mais si j'accélérais maintenant, je pense que j'aurais pu accélérer peut-être sur aller de 30 à 33. Mais après, j'aurais gaspillé en fait toute mon énergie, et du coup... mon allure aurait complètement dégringolé et ça aurait été nul quoi. Donc du coup je me suis dit, bah écoute, on panique pas, on reste sur cette allure, même si tu faiblis un peu, c'est pas très grave, t'es en avance, donc reste comme ça quoi. Donc jusqu'au kilomètre 35, enfin 34 on va dire, ça va à peu près. Kilomètre 35, je suis censée reprendre un gel, je vous reparlerai après de la nutrition parce que j'ai eu des questions aussi à ce sujet. Je suis censée reprendre un gel et en fait, j'ai pas du tout envie de le prendre. J'ai pas envie de sucre, j'ai soif, mais j'ai pas soif. J'ai chaud, j'ai pas chaud, je commence à avoir des fourmis dans les mains et je fais non, c'est pas le moment de se laisser envahir par les émotions. C'est pas le moment non plus de perdre le fil. Donc il faut que tu te ressaisisses et on sait que voilà, la fin de la course, c'est dur, c'est normal. C'est un marathon, ça peut pas être aussi facile qu'au début de la course, donc meuf, tu te sors les doigts du derrière et t'essayes de... Je te fais des bisous, j'ai les petits qui attendent le repas. Ok, bisous.
et t'essayes de maintenir ce rythme. Voilà, maintenant, ça va se passer, ça va être la guerre des nerfs, donc t'essayes de t'accrocher. Donc ça, je vous le fais en résumé, hein, mais en fait, ça a duré quasiment un kilomètre. Le kilomètre 35 à 36, franchement, ça a été hyper dur. Je perdais le rythme, je perdais un peu espoir. Enfin, il y a eu ce kilomètre où j'étais pas bien et je me disais, bon, quand même, 35, t'es bientôt arrivé, mais c'est long parce que un marathon, c'est pas 40 km. Le piège, c'est que c'est 42 km. Donc quand vous arrivez à 35, en vrai, il reste pas 5 km quoi. Il reste 7 km. Et ça, déjà, mentalement, c'est un petit peu dur. Donc voilà, j'ai ce fameux kilomètre 35-36 où je suis là. Je finis par remarquer une nana qui court un peu devant moi, là, habillée tout en noir avec des Saucony blanches. Et je la vois qui regarde très souvent sa montre. Moi aussi, j'essaye de regarder ma montre. Et elle s'éloigne pas trop loin de moi. Donc je me dis, attends, cette nana, à mon avis, elle doit à peu près viser ton allure. Il faut que tu t'accroches à elle. Il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Et donc je me suis dit, bon, écoute, là, c'est pas compliqué. Tu vas poser ton cerveau. T'as plus besoin de regarder le parcours autour. Si tu te laisses trop distraire, ça va pas le faire. Là, c'est très dur mentalement. Ça commence à devenir dur aussi physiquement. Donc là, t'as un seul truc. Tu vas regarder les pompes de cette nana et tu vas avancer. Et donc, je courais. Et je ne me disais rien d'autre que tu regardes les chaussures blanches, tu regardes les chaussures blanches, tu regardes les chaussures blanches. C'est dur à dire un peu. Et dès que je levais un peu les yeux de ces chaussures, là, je repartais un peu en live mentalement. Donc j'ai fait, ben non, tu restes sur ces chaussures-là, tu restes avec ces chaussures. Et en fait, sans le savoir, cette nana, elle m'a tirée pendant 3 km. Donc on est arrivés toutes les deux, enfin elle ne le savait pas, puisqu'elle était pile poil devant moi. On est arrivé au kilomètre 39 et là, elle, je pense qu'elle avait un peu de jus puisqu'elle s'est mise à accélérer d'un coup. Pas énormément, mais en tout cas assez pour que j'arrive pas à la suivre. Et j'étais là, allez, reste avec elle, reste avec elle, reste avec elle, reste avec elle. Et puis petit à petit, elle prenait le large. J'étais là, bon, ok, bon, si tu n'arrives pas à rester avec elle, au moins essaye de toujours avoir ses chaussures dans ta ligne de mire. Et puis bon, petit à petit, elle s'est évaporée dans la foule. Et je me suis dit, bon, allez, 39, c'est plus très loin. C'est 3 km, Charlotte. Allez, c'est pas le moment de lâcher. Ça va le faire, quoi. Et avant de partir, ma soeur m'avait dit, à un moment donné, si tu t'ennuies ou si tu sens que c'est dur, essaye d'imaginer le prénom des gens qui courent devant toi. Donc, j'ai repensé à cette petite phrase. Et du coup, je me suis imaginé prénom. Donc, j'ai fait un kilomètre avec une nana que j'avais surnommée Sarah. Je ne sais pas pourquoi, parce que je la voyais que de dos, finalement. Et du coup, voilà. Donc, j'ai fait un petit kilomètre avec Sarah. Et puis, à côté de Sarah, il y avait Ricardo. Je ne sais pas pourquoi il y a ce prénom qui m'est venu. Mais voilà. Donc, j'étais avec Sarah et Ricardo pendant 2 kilomètres. Et voilà. Et après, pendant donc, le kilomètre 39-40... 39-40, mais c'est ça. Je me suis interdit de regarder ma montre parce que j'entendais ma montre qui sonnait et je savais, en fait, j'avais mis un intervalle sur ma montre où j'avais mis un intervalle bas, c'est-à-dire que si jamais j'étais trop lente, elle sonnait, et j'avais mis un intervalle haut, c'est-à-dire que si j'étais trop rapide, elle sonnait. Donc généralement, l'intervalle haut me sert en début de course parce que du coup, elle sonne en me disant ouh, calme-toi, tu vas trop vite. Et ça me sert vachement parce que j'ai tendance à partir comme une fusée. Et l'intervalle bas, c'est généralement plutôt en fin de course où elle m'indique « Ouh, là, pour le coup, tu ne vas pas assez vite, il faudrait que tu accélères. » Donc là, je savais très bien que ça sonnait sans regarder ma montre. Je savais qu'elle m'indiquait que je courais pas assez vite, mais je voulais pas, en fait, regarder la montre parce que je voulais pas... c'était déjà assez dur physiquement, assez dur mentalement. Si je voyais que mon rythme avait vraiment beaucoup baissé, j'avais peur qu'en regardant la montre, ça me mette un brin un peu au moral. Donc elle sonnait, je l'entendais vibrer, je savais ce que, à mon avis, elle disait, mais je voulais pas trop savoir ce qu'elle me disait, quoi. Enfin, pas trop voir en tout cas le rythme. Donc voilà, petit à petit, kilomètre par kilomètre, c'était aller un pas devant l'autre, avance, 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 avance. Kilomètre 41, et là il y a, ou au kilomètre 40, non, 41. 41, il y a une nana qui hurle, it's all about the heart. Donc c'est maintenant, en gros, ça se joue avec le cœur, quoi. De toute façon, si t'as plus de force, t'as plus rien, c'est maintenant, quoi. Tu vas y aller, tu vas courir avec tes tripes, avec ton cœur, et il faut que tu donnes tout, il te reste un kilomètre. Donc là, kilomètre 41, je m'autorise, entre guillemets, à regarder ma montre, et je vois qu'elle indique 3h18.
Donc là, je fais un petit calcul rapide. Et je me dis que, admettons, je fais le dernier kilomètre en 5 minutes au kilomètre, ça faisait 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et là, quand je fais 23, dans ma tête, je fais oh, mais 23, en fait, 3h23, c'était mon objectif secret. Et en fait, c'est encore possible de faire 3h23. Donc là, ça m'a refoutu un petit coup de boost. Et généralement, en plus, dans les gros marathons comme ça, à partir du kilomètre 41, il y a des petits panneaux et c'est marqué plus que 800 mètres. Plus que 700 mètres, plus que 400 mètres, plus que 300 mètres. Et donc là, tu te dis, allez, 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 il faut y aller, quoi. Il faut tenir. Donc, je vois le panneau plus que 800, plus que 700. Et puis après, il y a le panneau plus que 400. Et le panneau plus que 400, et après, le panneau plus que 300, c'est une espèce de petit pont, comme ça, là. Donc, un pont tout pourri, un pont tout petit. On ne peut pas vraiment appeler ça une côte. Enfin, ça montait quand même un peu, mais arrivé à ce stade-là, moi, je pense que j'ai laissé mes jambes en bas du pont. Et puis là, ça descendait, et puis après, on tournait à gauche, et au bout, à gauche, il y avait le panneau marqué « Finish Line ». Et donc là, je me suis concentrée sur ce panneau. J'ai regardé en l'air comme ça, je ne regardais que ça. D'ailleurs, les photos de la ligne d'arrivée sont hyper drôles, je regarde, je suis comme ça. Et donc là, je me dis, bah, écoute, là, c'est maintenant, il faut lâcher les chevaux. Je ne sais pas si j'ai pu accélérer, je ne sais pas, mais en tout cas, ces derniers 300 mètres, je n'ai fait que regarder ce truc marqué « finish line » et je me disais, Charlotte, ça y est, c'est fini, c'est maintenant, t'as réussi, quoi. T'es sur le point de réussir, tu vas y arriver, quoi, tu vas y arriver. Je passe la ligne d'arrivée, j'éteins ma montre et là je regarde ma montre et je vois marqué 3h23 et moi du coup j'avais déclenché un peu avant mais du coup j'avais 3h23 et 23 secondes, un truc comme ça. Et là je crois que je souris, enfin j'en suis sûre d'ailleurs puisqu'il y a des photos qui montent, je suis en train de les éteindre, je suis là. Et d'habitude en fait à chaque fois que je finis un marathon, mais je pleure, mais toute la pression elle retombe, je pleure comme une madeleine, mais en plus l'année dernière à Londres, la thyroïde a complètement déraillé et tout, j'ai pleuré comme si on m'avait annoncé le décès de quelqu'un, j'étais en sanglots, j'ai tellement pleuré à Londres que les gens venaient me voir et me disaient, mais ça va, vous êtes blessée, tout va bien, je dis, non, ça va, et mais vous êtes blessée et tout, non, bon bref, donc là j'éteins ma montre, et là en fait j'ai pas du tout pleuré, là je crois que j'ai gueulé un espèce de putain, d'un air de dire... ça y est quoi, enfin voilà, tu l'as fait, enfin, ça y est, t'as couru, même si toutes les galères de santé sont pas terminées, et ça y est quoi, tu t'es prouvé que tu pouvais y arriver, et en plus t'as fait 3h23, et du coup mon précédent record étant à 3h39, que j'avais fait à Berlin, là j'ai mis 16 minutes à mon record, donc en fait j'ai gueulé comme ça, putain, trop bien, et je pense que dans la seconde d'après où j'ai gueulé ça, toute la pression, pareil, est retombée. Et là, d'un seul coup, j'ai eu mal absolument à toutes les parties de mon corps. J'ai eu mal à la mâchoire, j'ai eu mal au cou, j'ai eu mal aux épaules, j'ai eu mal aux deux, partout. J'ai eu mal partout. J'ai eu envie de dégueuler. Enfin, vraiment, tout est retombé d'un coup. Et là, j'avais envie que d'un truc, c'était de m'allonger par terre, de faire la morte. Sauf qu'en fait, quand vous terminez comme ça un gros marathon, vous n'avez pas le choix que de suivre, en fait, vous faites un peu emporter par la foule, et on vous remet la médaille, et puis vous avancez un petit peu plus loin, on vous donne une poche, on vous met des pommes dans la poche, on vous met des barres énergétiques, et puis tu vas chercher ta bière, et puis machin, et moi j'étais là, je veux pas savoir. Et finalement, j'arrive à sortir de ce long tunnel, on va dire, et là, je m'affale comme une merde par terre, et puis je me redresse, je commence à discuter un peu à droite à gauche avec les mecs qui sont dans le même état que moi finalement, et après mais il fallait que je retrouve le papa, parce que quand même il fallait voilà qu'on rentre à la maison, donc lui partait dans la vague juste derrière moi, il m'avait dit que lui visait de faire 3h45, donc je me suis dit ben là Charlotte maintenant t'as plus le choix, il faut le retrouver quoi. Par chance, il avait un t-shirt orange. Par chance, j'ai mis peut-être 5 minutes à le retrouver. Donc, trop trop cool, quoi. Nous voilà tous les deux réunis. Et donc, nous avions donné rendez-vous donc à la maman. Le point de rendez-vous, c'était la fontaine. On discute, on fait un petit débrief de la course. Il était hyper content. Il a fait 3h28, etc., etc. Et puis, je sais pas, peut-être au bout d'une demi-heure,
Je le regarde et je lui dis, mais Florin, regarde tout autour de nous, il n'y a aucun spectateur, il n'y a que des coureurs. C'est-à-dire que je pense que le point de rendez-vous qu'on s'est donné, ta femme ne pourra jamais arriver jusqu'ici. Et donc il me dit, mais oui, t'as raison et tout. Bon, je vais choper le téléphone de quelqu'un. Ok. Chope le téléphone de quelqu'un, répondeur direct. Okay. Donc moi, ça faisait déjà 3 quarts d'heure que j'étais arrivée. Le temps de le retrouver, il s'était écoulé une bonne demi-heure. Donc ça faisait 1 heure et demie déjà, enfin 1 heure et quart déjà que j'étais arrivée. Et là, on a bataillé, on a bataillé, on a bataillé. En fait, il y avait tellement de monde au même endroit que ça faisait genre comme un nouvel an. En fait, les portables ne passaient pas. On a bataillé peut-être 3 quarts d'heure. Après, il me dit, attends, je vais aller aux différentes entrées. Il me dit, reste là, parce que si jamais... Elle arrive à rentrer finalement. Ben, si on est les deux parties, elle va pas comprendre. Il est reparti, il est revenu et machin. Et qu'est-ce qu'on a bataillé? Enfin, je pense que j'ai dû rester là, assise par terre, là, sur ce truc, au moins 2 bonnes heures. Finalement, par miracle, à un moment donné, son téléphone a fonctionné et on a fini par se retrouver. Et c'est là que j'ai fait la story où je vous dis, alors, on n'est pas là pour être ici, nous. Et où j'annonce que voilà, que je suis trop contente. Après, le gros sketch, c'était que il a fallu courir jusqu'au parking où on avait garé la voiture parce que, ben, en fait, on n'avait pas prévu qu'on allait mettre autant de temps pour se retrouver et que du coup, le parking arrivait à expiration. Et que Chicago, si tu dépasses ton parking, tu prends une amende du feu de Dieu, quoi. Donc, il fallait vite, vite se dépêcher. Donc là, on a recouru. J'en pouvais plus. Et puis, c'était pas le moment de les perdre dans la foule de Chicago. Donc voilà, finalement après on est rentré et tout est bien, qui finit bien. Voilà pour l'aventure du marathon. Mais en tout cas, voilà, marathon super plat. Alors certes, c'est surnommé la ville où il y a du vent, mais nous, on a eu du vent, mais pas un vent qui te fait perdre du temps, quoi. Et le vent était quand même, oui, certes assez froid, mais pour 42 km, en fait, on se réchauffe, quoi. Donc voilà, franchement, niveau temps, on peut dire qu'on a eu des conditions idéales. Il a fait super beau. Et je sais pas, vers midi, 14h, enfin, au plus chaud de la journée, je pense qu'il devait faire 20 degrés. Donc voilà, donc franchement, très bien. Marathon, très bien. Ambiance, très bien. Organisation, très bien. Je pense qu'il y avait autant de monde finalement qu'à Berlin et Londres au niveau des spectateurs. Le truc que j'ai remarqué, c'est que il y avait beaucoup de monde qui encourageait, mais à Berlin, j'ai trouvé qu'il y avait plus de musique. Il y avait plus de groupes, plus de bandas, plus de chorales, plus de musique, on va dire, à Berlin. Là, franchement, tout le long, il y avait énormément aussi de spectateurs, mais moins de musique. Il y avait vraiment la musique, j'ai envie de dire, au ravito, quoi, au point clé des ravitos. Et ce qui était super, c'est que donc on a traversé différents quartiers. Vous savez, c'est un peu comme New York, il y a Chinatown, il y a des quartiers mexicains, et en fait chaque quartier avait un peu sa musique, quoi. Dans Chinatown, c'était ding 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 ding. Bon, c'est très cliché, hein, mais c'est comme ça, quoi. Il y avait des quartiers où on a écouté du gros rap. Il y avait des quartiers où j'ai entendu genre les Spice Girls. Je pense qu'il y avait des quartiers un peu. Je pense qu'on a dû passer à un moment donné un quartier gay parce qu'il y avait des drag queens qui chantaient les Spice Girls. Donc ça, c'était hyper rigolo. Enfin voilà, c'était vraiment grosse, grosse ambiance sur le parcours. Et ce qui était génial, c'est que même si moi, finalement, ben, j'étais toute seule, quand les gens reconnaissaient d'autres gens, enfin, il y avait une ambiance générale, on disait oui, allez, come on, machin, ne lâche pas, etc., etc. Et quand les gens se reconnaissaient, là, d'un seul coup, on entendait hurler hyper fort. Et du coup, à un certain moment, je me disais, bah, allez, fais comme si c'était pour toi. Et voilà, c'était trop cool, quoi. Donc vraiment, le parcours super plat. Non, tout propice à ce que tout se passe très très bien. Voilà. Ça, c'était pour la question du marathon. Après, on m'a posé la question de savoir ce que j'avais pris cette fois-ci pour la nutrition. Donc, pour mon premier marathon, bon, c'est avec du recul en fait, quand on se rend compte qu'on n'était pas du tout prête, j'avais pris je crois que j'avais pris genre des abricots secs ou je sais pas quoi, que j'avais commencé à manger en plus, je me souviens, au kilomètre 26, donc déjà beaucoup trop tard.
Ensuite, à Berlin, qu'est-ce que j'ai mangé? À Berlin, je m'étais fait des petites boules énergétiques également. Et à Londres, pareil, je m'étais fait mes petites Energy Balls moi-même. Mais par contre, à Londres, ce que j'avais expérimenté, c'est que j'avais la gourde d'eau sur moi. Parce que Londres, en fait, ça a été fait en plein Covid, on va dire. Et du coup, ils avaient dit qu'il n'y aurait pas autant de ravitaillement en eau que d'habitude. Donc, ils ont encouragé fortement les coureurs à avoir leur propre ceinture avec tout le nécessaire pour la course. Pour éviter aussi les points de contact et si on pouvait éviter le Covid, quoi, finalement. Donc à Londres, en fait, j'avais ma gourde d'eau. En fait, à Londres, j'étais autonome. Et ça m'a vachement plu parce que à Berlin, même si j'avais la nourriture sur moi, l'eau, j'allais la chercher au ravitaillement et boire dans les ravitaillements. Déjà, souvent, ils donnent des verres. Donc boire avec un verre, c'est pas pratique du tout. Et quand on arrive sur des ravitaux, il y a énormément de monde qui s'arrête. Et t'as l'impression d'être un peu dans un pogo, quoi. T'es dans un concert de rock, t'essayes de boire, l'autre il passe par là, tu t'en fous partout. Finalement, t'as pris une gorgée, t'avales de travers, tu tousses. Enfin, c'est un exercice quand même, hein, de boire en courant. Et à Londres, en fait, d'avoir ma flasque, j'ai trouvé ça super pratique. Déjà, je pouvais boire quand j'avais envie de boire. Et puis, ben, j'avais pas besoin de m'arrêter. De boire avec une bouteille, c'est quand même bien plus pratique que de boire avec un verre. Donc, je m'étais dit, ben, pour Chicago, il faudrait que je fasse la même chose. Par contre, les boules énergétiques, alors oui, c'est super, mais c'est hyper dur à manger, en fait. Ça colle au bout d'un moment. Entre manger, courir, respirer, boire, enfin, il faut choisir. Donc, j'ai trouvé que finalement, c'était pas hyper pratique. Donc, du coup, je suis allée dans le magasin Foulée. Ici à Pau, on a un super magasin de running qui s'appelle le magasin Foulée. Et franchement, déjà, d'une part, on est toujours très très bien conseillé dans ce magasin. Les vendeurs sont au top. Je vous encourage vivement d'aller dans ce magasin si vous cherchez un magasin ici à Pau. Et ils m'ont dit, eh bien, écoute, il existe plusieurs choses. Il existe des gels, il existe des barres solides et il y a différentes marques. Et donc, ils m'ont conseillé Morten. Donc j'ai testé chez Morten la barre solide qui s'appelle solide, il n'y a pas de piège, et les gels, alors il y a un gel normal et un gel à la caféine. Et moi donc j'ai testé le gel à la caféine qui s'appelle CAF je sais plus combien. Et la particularité des gels Morten, c'est qu'ils ne sont pas liquides, ça a vraiment un aspect de gelée, vous savez, le genre flamby quoi, en exagérant. Et l'autre particularité, c'est qu'ils sont pas du tout sucrés. C'est-à-dire que quand vous le mangez, vous n'avez pas forcément envie de boire absolument après. J'avais déjà testé des gels sur des courses comme ça pour tester, genre sur des semis, juste pour voir. Et généralement, tu prends ton gel, c'est aussi sucré que du lait Nestlé, et t'as qu'une seule envie, c'est de boire après. Et là, les gels Morten, non, pas du tout. C'est si tu bois pas dans l'immédiat ou si tu bois pas juste après, bah, c'est pas. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas trouvé ça hyper grave, quoi. C'est le sucre, on sent que c'est sucré, mais c'est pas, ça t'arrache pas, quoi. C'est pas désagréable. Et le fait que ça soit en gelée comme ça, je trouve ça super pratique parce que ce que j'ai fait, c'est que avant le marathon, j'ai ouvert tous mes, j'en avais quatre sur moi, j'ai ouvert tous mes gels et j'ai baissé un peu le gel dans le fond du paquet. Et après, je l'ai calé dans ma poche et voilà quoi. Parce que quand on court, si en plus tu dois galérer à ouvrir le gel, et puis on ne sait jamais, ce jour-là, l'ouverture facile, elle s'ouvre que sur un côté, finalement, t'as gâché le truc. Enfin voilà, ça peut te faire péter les plombs très rapidement. Donc là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout ouvert, tout était déjà prêt à l'emploi, et hop, hop, c'était super. Oui, les gels, je les ai super bien supportés parce que ben, je les avais testés déjà aussi. Tout au long de la prépa marathon. C'est hyper important, hein, ne partez jamais avec de nouvelles choses, que ce soit des équipements, des chaussures, les t-shirts, la nutrition. Il faut vraiment tout tester parce que le jour J, on ne sait jamais. Et puis ce qui est bien supporté chez quelqu'un n'est peut-être pas bien toléré chez d'autres personnes. Moi, je sais que je suis des nanas sur Instagram qui font de la course à pied. Et elles détestent les gels Morten parce que justement, elles n'aiment pas cette texture de gelée. Donc, ce qui convient à l'un ne conviendra pas forcément à l'autre. Donc, vraiment,
tester quoi. Et j'ai pris à quel moment? Alors, généralement, on conseille de prendre les premiers gels à partir de 45 minutes. C'est là où tu as les premières 45 minutes, normalement, tu as pris ton petit-déj, donc tu as assez d'énergie. Désolée, je bouge, mais j'ai des fourmis dans la jambe, voilà. Et donc, après, c'est généralement à nouveau toutes les 45 minutes. Et moi, je trouvais que les gels étaient assez. Il y en a beaucoup quand même dans le paquet. Donc, ce que j'avais fait et ce que j'avais fait dans ma prépa, c'est qu'au bout de 45 minutes, moi, je prenais la moitié du gel. Et au lieu, après, de faire toutes les 45 minutes, prendre un autre gel entier, ben, je vais couper un peu en deux. Donc, toutes les 22 minutes à peu près, ben, je prenais la moitié d'un gel. Donc voilà, si je faisais ça, ça m'en faisait un peu moins de 4. Et finalement, le jour J, j'en ai pris 3,5. Et je pense qu'avec du recul, peut-être qu'au kilomètre 30, mais bon, ça, je pouvais pas deviner qu'au bout d'un moment, mon corps, il me disait non, ne, non, n'en prends plus. Je pense que peut-être que pour le prochain, finalement, au kilomètre 30, j'en prendrai un entier. Comme ça, si mon corps, vers le kilomètre 35, il me dit j'ai plus trop envie de gel, eh ben, j'en aurais pris un entier. Peut-être j'aurais eu plus d'énergie un peu plus avant. Comment gère-t-on les pauses pipi? Alors, ben, moi, j'ai pas du tout envie de faire pipi pendant le marathon, mais sachez que si vous avez envie de faire pipi ou caca, il est possible de s'arrêter puisque très souvent il y a des toilettes le long du chemin. Donc voilà, mais j'ai cette chance que à partir du moment où je cours, après j'ai plus du tout envie. En tout cas, un conseil qu'on m'a donné lorsque j'ai fait mon premier marathon, sur la ligne de départ, il y a un mec qui m'a dit, il m'a donné trois conseils. Le premier conseil, c'était au début de la course, même s'il y a des bouchons, tu ne doubles pas sur les trottoirs. Parce que le fait de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, au début, ça te paraît insignifiant, mais en fin de course, tu peux payer le fait d'avoir monté et descendu les trottoirs au niveau de tes mollets. Le deuxième conseil qu'il m'a donné, c'est, il m'a dit, si pendant le trajet, tu as envie de faire pipi ou caca, ne te retiens pas. Dès que tu vas des toilettes, tu y vas. Et tu perds un petit peu de temps. Il me dit en fait, tu vas perdre moins de temps à t'arrêter de suite, faire tes petites affaires et repartir, que finalement te retenir tout le long et en fait être mal, être pas bien et du coup au final perdre plus de temps que si tu t'étais arrêté depuis le début quoi. Tu bois de l'eau tous les combien? Tu avais pris une flasque de combien? Alors, je bois de l'eau tous les 5 km. Là, c'est pareil. Au début, au kilomètre 5, j'ai absolument pas soif. Mais il faut se forcer à boire une toute petite gorgée pour éviter les crampes de la faim. En fait, au début, on est ultra frais. Mais c'est vrai que si on crame tout dès le début, si on part trop vite dès le début, si on ne boit pas dès le début, en fait, le marathon, c'est vraiment une stratégie de tenir le plus longtemps possible. Donc, on boit une petite gorgette tous les 5 km à peu près. Moi, je buvais et à la fin, je crois que j'ai bu, mais c'était plus genre au kilomètre 35, 38, 40. C'était plus pour essayer de me faire penser à autre chose que vraiment parce que j'avais soif, quoi. Et la flasque de combien? Je sais pas combien elle fait cette flasque. Peut-être 250 millilitres. Enfin, c'est la petite flasque de Decathlon, là, les Kalenji molles. Et voilà, je regarderai et je te dirai si tu veux. Là, je l'ai pas sur moi, mais je regarderai. Et au pire du pire, même si j'avais fini ma flasque avant, bah, il y a quand même des ravitaux. Tu prends quand même tout le long, quoi, tu vois. Pas trop dur avec le jet lag. Alors, bizarrement, non. Ce qui était bizarre en fait, c'était que autant au niveau de la fatigue ça allait, autant au niveau des repas, en fait j'avais faim à des heures complètement improbables pour les horaires des États-Unis quoi. Je me suis réveillée très tôt à chaque fois, style à chaque fois je me réveillais, je me couchais très très tôt aussi. Hein. À chaque fois j'étais au lit vers 20h, 21h, un truc comme ça. Et je me réveillais une fois vers minuit. Je faisais la petite pause pipi parce que je me suis forcée à énormément boire les jours d'avant.
Et après, je me réveillais toujours vers 3-4 heures du matin. Et puis après, j'arrivais à me rendormir jusqu'à 5 heures. Bon, après, je tournais quand même pas mal, hein, parce qu'en fait, vu qu'il y avait 7 heures de décalage, quand je me réveillais à 3 heures du mat, c'est comme s'il était 10 heures en France. Et en fait, ce qui me réveillait, bon, c'est déjà que je n'avais pas trop sommeil. Et c'est surtout que j'avais faim. J'avais faim, j'avais faim, j'avais faim. Et je pense que dans le sens aller, on est tellement excité, même si c'est très bizarre, mais j'avais pas l'impression que j'allais courir le marathon. Tout était nouveau, quoi. J'étais excitée par tout ce que je voyais. Faut savoir que je suis une grande fan des États-Unis. Je n'avais jamais été à Chicago. Donc la famille, c'est pareil. Ils avaient à cœur de me faire découvrir plein de trucs. Donc j'étais émerveillée à chaque fois. Donc il y avait toute cette excitation, toute cette tension. Et la veille de la course, ben, voilà, on sait qu'une veille de course, on dort jamais très bien. Et pour autant, on n'est pas fatigué. Donc voilà. Par contre, au retour. Au retour, alors par chance, au retour dans l'avion, j'avais personne sur les deux sièges à côté de moi, donc du coup j'ai pu dormir comme un cadavre là sur les trois sièges. Et là par contre, même si j'ai dormi par tranche de 3 heures, pour moi le vol retour il a duré 2 heures, quoi. Pareil, je me suis forcée à bien boire pour m'hydrater après la course. Donc ce qui me réveillait, c'est parce que j'avais envie de faire pipi. Mais voilà, j'ai dormi par tranche de 3 heures. Et à un moment donné, en regagnant ma place, il y avait quelqu'un qui dormait, qui avait laissé son écran avec le temps jusqu'à la destination. Et c'était marqué plus que 2 heures jusqu'à Munich. J'étais là, pardon? 2 heures? Mais trop bien! Du coup, je me suis regardé un petit dessin animé. J'ai regardé Coco. C'était très cool. Et en fait, voilà, ça s'est hyper bien passé. Et après, ici, en fait, à chaque fois, que ce soit à l'aller ou au retour, même si j'étais fatiguée, j'ai essayé de me caler au rythme du pays dans lequel j'étais. Donc, c'est-à-dire que si j'arrivais et que c'était 11 heures du matin, bah, même si j'étais fatiguée, j'allais pas dormir. Et j'essayais de me caler en fonction des horaires du pays, quoi. Et ça, petit à petit. Petit à petit, j'ai pu récupérer comme ça. Comment j'ai trouvé la famille? Je le disais au début, en fait, c'est d'amis, 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 de connaissances, d'amis, 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 d'amis. Voilà comment je les ai trouvés. Qu'est-ce que j'ai eu comme autre question? Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'avais noté? Alors, la nutrition, j'en ai parlé. Comment était la course? Tu préférerais pas un sac d'hydratation plutôt qu'une flasque? Alors, j'ai déjà essayé de courir avec un camelbag, mais d'entendre dans le dos flap, 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 flap pendant 42 km, ça m'a fait péter les plombs en fait. J'avais testé ça sur la prépa pour le marathon de Berlin, je crois. Mais ça me convenait pas. Mais il y a plein de gens hein, qui courent avec des sacs d'hydratation. En effet, tu as ton sac dans ton dos, tu bois quand tu veux et c'est parfait. Mais j'avoue que non, moi ça me convient pas quoi. Est-ce que je prends du plaisir à regarder le paysage quand même? Oui, bien sûr, bien sûr. On en prend plein les yeux. Hein. La ville est incroyable. Et d'ailleurs, il y a des passages où je me suis dit c'est marrant. Il y a des quartiers en fait où c'était un peu pavé au sol, avec c'était plus résidentiel que finalement les grands buildings du centre-ville. Encore une fois, je mets des guillemets à centre-ville parce que c'est quand même immense. Et avec les arbres et la couleur de l'automne, ça me faisait vraiment penser à Amsterdam. Il y a des coins de Chicago qui m'ont fait penser à Amsterdam. Donc oui, on a le temps quand même de lever les yeux et de voir des pancartes. D'ailleurs, il y a plein de pancartes qui m'ont fait trop rire, quoi. Des pancartes qui disaient où allez-vous tous? Il y a un mec qui tenait un panneau, c'était marqué tu crois que t'es fatigué? Moi, je tiens ce panneau en l'air depuis toute la matinée, donc ne te plains pas, ou des trucs comme ça. Après, il y avait une nana c'était marqué You look good, donc vous avez bonne mine encore. Et en fait, elle avait découpé un carton, et à l'intérieur du carton, elle avait mis un miroir. Donc, si vraiment on s'approchait, on pouvait voir la tronche qu'on avait. Et il faisait un temps merveilleux. Ouais, il a fait très très beau. J'ai eu que du beau temps sur toute la durée du séjour. Il a un peu plu le. Alors attendez, je suis arrivée le jeudi. Il a un peu plu le vendredi matin, mais j'étais à la maison, donc moi j'ai pas vu la pluie quoi.
Et pareil, au niveau des températures, ça n'a fait qu'augmenter. En fait, le jour le plus beau, ça a été le jour du marathon. Donc c'était trop cool. Mais c'est vrai que les matinées étaient un petit peu fraîches et que ce petit vent glacial est bien glacial. Mais la famille dans laquelle j'étais me disait que voilà, pour visiter Chicago, sachez que si vous voulez aller à Chicago, les meilleurs mois pour visiter, c'est juin et septembre et jusqu'à mi-octobre. Parce qu'il y a des fois où il fait très froid, elle me dit on a fait des Halloween, des Halloween, je sais pas si on peut dire Halloween avec un Z, mais où il y avait beaucoup beaucoup de neige. Apparemment à Chicago, il neige énormément en hiver et il fait vraiment très très froid. Et l'été, elle me dit, il fait chaud et humide et pareil, c'est pénible. Donc si vous voulez aller chez vous, elle m'a recommandé de vous dire que c'était bien d'y aller en juin et septembre-octobre. Et est-ce que... Attends, j'avais une autre question. Est-ce que tu as réussi à voir d'autres Français sur la course? Alors oui, c'était très drôle parce qu'en fait, une semaine avant de partir, j'ai reçu un message sur Instagram. Qui disait coucou, je m'appelle Nelly, j'ai un copain qui m'a donné ton profil, qui m'a dit que tu courais le marathon de Chicago. Il se trouve que moi aussi, j'habite à Pau et tout. J'étais là, mais non, c'est trop nul. C'était trop dommage en fait qu'on se découvre à une semaine de partir, parce que la prépa était finie et si jamais on s'était découverte avant et si on se connaissait avant, bah, pareil, on aurait pu partir ensemble parce qu'elle m'a dit qu'elle aussi, elle avait galéré à trouver quelqu'un pour l'accompagner. Finalement, c'est ses parents qui sont venus avec elle. Donc en fait, on s'est découvertes sur le tour du Béarn. On s'était dit, tiens, on va se voir une fois en vrai avant quand même. Et en fait, en plus, on était dans le même sas de départ. On visait le même temps. Enfin, vraiment, les planètes s'alignaient pour qu'on puisse se rencontrer. Et puis finalement, non, je ne l'ai pas vue pendant la course. Je l'ai retrouvée après à l'aéroport. Mais dans le sas de départ, oui, j'ai discuté avec des Français. Il y avait quand même pas mal de Français. J'entendais quand même à droite, à gauche parler français. Et puis de toute façon, vous savez bien, hein, quand on va quelque part, ceux qui foutent un peu la zizanie, qui font pas la queue leu-leu et qui sont sans gêne, c'est souvent les Français. Donc on les repère très facilement. Voilà. Malheureusement, on n'a pas très bonne réputation à l'étranger. Qu'est-ce qu'il y avait? Comment gères-tu le froid en attendant? Donc, bah, comme je disais, j'ai la tenue avec laquelle je vais courir. Et puis, j'ai le fameux pull moche. Et un caouet que j'avais chopé. Où est-ce que j'avais chopé? À la clinique, je crois. Je travaille dans une clinique, pour ceux qui ne savent pas. Et je crois que j'avais récupéré le caouet. Bah oui, c'était le caouet jaune. Donc, j'avais un pull tricoté par ma grand-mère, mais dans des années, mais. Le pull, mais l'immondice du pull, quoi. Enfin, c'est le pull moche. Et par-dessus, j'avais un caouet pour me couper du froid. D'ailleurs, je vous recommande fortement de faire ça aussi. Donc, d'avoir une couche chaude et quelque chose qui pourra vous couper du vent. Et c'était un caouet jaune marqué le mois du sans-tabac. Arrêtez de fumer! C'était marqué dans mon dos. Donc ça me fait trop rire parce que je m'imagine trop. Que quelqu'un dans une asso peut-être va le récupérer parce que, mis à part la couleur et le fait que ce soit marqué arrêtez de fumer dans le dos, il est super épais, il y a des poches, il y a une capuche et tout. Donc je disais à la famille, mais si ça se trouve, dans quelques mois, vous allez voir un mec passer dans Chicago avec un caouet jaune marqué arrêtez de fumer. Donc ça me faisait bien marrer. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu bien sûr des gens avec des sacs poubelles. Et autre truc que j'ai vu, je me suis dit, mais c'est malin. Des tenues jetables pour quand on fait de la peinture. Vous savez, les espèces de combinaisons là, blanches qu'on doit trouver, je pense, à Leroy Merlin ou même à Carrefour et qui coûtent 2 balles. Et vraiment qui sont top, quoi, parce que ça vous permet d'être coupé du froid. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Chicago, franchement, c'est une ville incroyable. Il faut savoir que moi, donc, comme je vous disais, j'ai un amour pour les États-Unis. J'ai une relation très particulière avec la ville de New York pour moult raisons. La première, c'est que le premier voyage que j'ai fait avec mon chéri, c'était il y a, je veux pas savoir, enfin, c'était il y a trop longtemps. C'était en, quand c'est qu'on était à New York la première fois? En 2009, je crois.
Donc ça ne nous rajeunit pas. Et c'était à New York. Et donc du coup, voilà, on est tous les deux fans des États-Unis. Comme certains le savent, il a fait du football américain, il fait du flag. Donc voilà, tous les deux, on adore vraiment les États-Unis. Donc en fait, quand on a été à New York la première fois, c'était incroyable. Ensuite, bah, j'y suis retournée pour le marathon, mais j'étais blessée. Mais il y avait d'une part le fait que je sois blessée, c'était hyper fort en émotion parce que du coup, quand tu sais que toi, tu dois courir la course et qu'en fait, tu es sur le bas-côté avec tes béquilles, bah, ça fait quand même quelque chose. Mais d'un autre côté, voilà, j'avais toute ma famille avec moi. Donc rien que pour ça, New York a une place très particulière dans mon cœur. Mais Chicago, vraiment, est vraiment pas loin en dessous, quoi. C'est beaucoup plus aéré que New York. C'est ultra propre. Mais c'est incroyable comme c'est propre. C'est-à-dire que j'habite à Pau. La ville de Pau est plus dégueulasse que la ville de Chicago. Il n'y a pas trop de sans-abri, comme on pourrait le voir dans certaines d'autres grandes villes, quoi. J'en ai vu que un ou deux, finalement. Et le fleuve qui rentre dans la ville est propre, mais c'est ultra propre. Je ne sais pas pourquoi je m'étais dit grande ville égale forcément pollution, égale forcément que l'eau va être dégueu. Mais non, mais l'eau, elle était bleue, c'était un truc de fou, quoi. C'était vraiment trop, trop beau. D'ailleurs, c'est là que j'ai fait sur le bord de la côte, quoi. La veille de la course, on a toujours un petit run de déblocage où on court peut-être 20-30 minutes. Moi, j'avais 30 minutes à faire vraiment très 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 lentement. Mais j'en ai pris plein les yeux, quoi. Entre les buildings qui font je sais pas combien de mètres de hauteur d'un côté et de l'autre côté, l'eau qui est bleue, c'était trop trop beau, quoi. Les gens sont super sympas. Les Américains, ils sont. Vous savez comment c'est, vous rentrez dans un magasin, c'est. Les Parisiens, c'est. Ou je sais même pas si on a un bonjour quand on rentre dans un magasin, c'est. Là, c'est. Hey, salut, ça va? Comment ça va? Tu viens d'où? Etc. etc. Bon, après, c'est un peu. Évidemment qu'à chaque fois, c'est un petit peu faussé parce que le week-end du marathon, il y a énormément de monde, donc ils sont habitués. Mais non, franchement, Chicago, une ville super et je pense que j'y retournerai rien que pour amener mon chéri parce que je suis sûre qu'il kifferait cette ville, quoi. Déjà, comme je disais juste avant, quand on est taré des États-Unis, j'ai trop envie qu'il vienne découvrir cette ville. Et si vous cherchez d'ailleurs une ville, voilà, c'est une chouette ville à visiter, évidemment. Après, bah, tout est hyper cher, quoi. C'est les États-Unis, il y a des choses qui sont aberrantes, quoi. C'est le soda qui est moins cher que l'eau, c'est l'essence qui est moins chère que l'eau. Alors on sait que dans les aéroports ça coûte hyper cher, mais après le marathon j'ai quand même payé 5 balles une bouteille d'un litre, quoi. Ouh! Non, pardon, j'ai eu hyper peur. Il y a eu du vent. Ah mais non, c'est toi! Purée, mais j'ai eu trop peur. Bonjour. T'es con, tu m'as fait trop peur. Bonjour la commu. J'ai eu méga peur. Bon voilà, mon chéri, comme je te voyais en direct là, je me suis dit il est avec son téléphone, je savais pas que t'étais rentré. Si, je vais descendre les deux. Très bien. C'était le petit interlude. Donc ouais, donc Chicago, vraiment, si vous avez envie de visiter Chicago, très cool. Et oui, donc j'en étais au point environnemental. Oui, c'est les États-Unis. Ils ont quand même. Des trucs, moi, qui m'ont choqué, c'est d'aller au Starbucks et de commander un verre d'eau. Et donc là, on te donne un verre d'eau en plastoc avec des glaçons et une paille en plastoc, et tu te dis, mais achète-toi une gourde, enfin, tu vois. Alors, pour leur défense, l'eau du robinet, en tout cas là où j'habitais, était dégueulasse. Ça, il n'y a pas de. Apparemment, elle est potable, mais même quand tu te laves les dents, ça avait vraiment un goût immonde. Mais quand même, ils ont tous des frigos américains. Moi, je remplissais ma gourdasse dans le frigo et enfin voilà, l'eau, elle était bonne et tout. Bon, admettons, ils ont envie de boire de l'eau minérale. Admettons. Bon, mais t'achètes des bouteilles de 2 litres, quoi. Enfin, c'est. Voilà. Non, eux, ils achetaient des bouteilles, mais je sais même pas si ça faisait. Je sais pas, t'avais 4 gorgées dans ces bouteilles-là.
Et des packs, et des packs, et des packs, et des packs. Et là, oh, purée, niveau plastique, c'est pas ça, quoi. Après, qu'est-ce qui m'a choquée, entre guillemets, c'est... on laisse tout allumé, tout le temps. La télé, la lumière, on part faire les courses, on laisse allumer. Ils sont en train de faire la vaisselle, admettons, l'eau, elle coule. Le téléphone sonne, il y a quelqu'un à la porte, eh ben, c'est pas grave, on y va. On laisse l'eau qui coule, ça, il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà, il y a certains trucs, voilà, c'est les États-Unis, quoi. Tout est plus gros, tout est plus... Voilà. Mais Chicago est une très chouette ville. Il y a, voilà, je suis restée que 5 jours, mais le peu que j'ai vu, c'est super, quoi. J'ai été visiter le plus grand Starbucks du monde, qui apparemment se trouve à Chicago. Voilà, c'était à faire, c'était sympa. J'ai été faire coucou à côté du portail de Michael Jordan, puisqu'il a son gros numéro 23 devant son portail. Mais non, vraiment très très cool Chicago. Alors il y a des quartiers apparemment qui craignent, mais bon, je pense que c'est comme ça dans toutes les villes. Mais les quartiers où il y a du monde, c'est une ville touristique, enfin voilà quoi, vraiment très très cool. Les musées apparemment sont très chouettes, il y a un aquarium apparemment qui est très bien, il y a plein de musées pareil qui sont super, donc je pense que je retournerai, ouais, quand j'aurai les vacances, quand le budget le permettra, peut-être que je retournerai là-bas, ouais. Et aussi, on m'avait demandé pourquoi est-ce que je reste pas plus longtemps. Et ben, pour les deux raisons que je viens d'évoquer juste avant. Parce que le budget ne le permet pas et parce que j'ai pas non plus un milliard de vacances. Donc voilà pourquoi j'ai fait que, entre guillemets, petit aller-retour, quoi. Voilà. Voilà pour Chicago. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas ? J'essaye de réfléchir, mais je crois... On m'a demandé comment ça allait, mais ça va très bien. Niveau physique, en tout cas, ça va super bien. Même pendant la course, j'ai vraiment pas subi. Comparé à Berlin, où à partir du kilomètre 35, j'aurais pu buter la terre entière parce que j'avais mal dans les fesses, j'avais mal au niveau des cuisses, j'avais l'impression que quelqu'un était assis sur moi. Et là, physiquement parlant, à part au niveau... d'ici, en fait, tout ce qui est mâchoire, cou, trapèze, qui était complètement contracté parce que je pense que, ben voilà, au départ, j'ai eu froid, donc j'ai dû être comme ça. Et puis après, moi, j'ai cette fâcheuse tendance à, quand je cours et que, pareil, je suis en difficulté, que ça devient dur, j'ai tendance à être comme ça. Mais même dans la vraie vie, de toute façon, dès que je suis stressée ou quoi, j'ai tendance à être comme ça. Donc là, je pense que... Tout ça, là, c'était... En fait, j'avais surtout très mal au haut du dos. Et j'ai pas lutté dans les escaliers comme les années précédentes. Et hier, je me suis offert aussi un petit massage pour bien masser tout ça. Et là, je pourrais recourir sans problème. Mais j'ai demandé à ma coach, « Bon, il va faire beau ce week-end. Est-ce que j'ai le droit d'en courir ?» Elle m'a dit « Non. » Donc non, je n'irai pas courir ce week-end. Elle m'a dit que je pouvais faire du vélo, que je pouvais faire du gainage si ça me faisait plaisir, mais non, je ne recours pas avant mercredi prochain, donc ça fera 7, 8, 9, pas avant 10 jours. Et du coup, elle connaît mes antécédents de fracture de fatigue et je sais qu'elle a raison en plus, hein. Donc voilà, on recourt pas, on peut faire du vélo mais pas d'impact sur le sol. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que je vais clôturer ce live. J'aimerais vraiment réussir à l'enregistrer, je ne sais pas où je dois cliquer pour l'enregistrer. J'ai quasiment fini aussi le compte rendu écrit avec les photos. Oh purée, les photos, c'est quelque chose, il y a de sacrées pépites en photo. La course à pied n'est pas un sport qui vous met toujours en valeur, hein, la vache. Et j'ai également fait des vidéos. Donc, bon, alors, j'avoue qu'au début, j'ai fait énormément de vidéos dans le but de me dire « je vais faire une vidéo YouTube ». Et après, j'avoue que j'ai un peu zappé les histoires des vidéos. Donc, je vais quand même essayer de vous faire une petite vidéo YouTube de ce que j'ai pu filmer à droite à gauche pour vous montrer. Donc ça sera donc l'article... Normalement, je devrais le terminer ce soir. La vidéo, je pense que je vous préviendrai sur Instagram quand elle sera terminée. Mais là,
Là, je n'aurai pas le temps de la faire dans les prochains jours. Donc voilà, merci d'être venu sur ce live. C'était cool de papoter. Merci, mon cousin. Et toi aussi, félicitations pour ton record, puisque mon petit cousin se met également à la course à pied et il a battu son record. Si je dis pas de bêtises, il a mis 48 minutes au 10 km à Mont-de-Marsan. Et donc, un grand bravo à toi, Simon. Et voilà, c'était cool de discuter avec vous. Merci pour toutes les questions que j'ai reçues. Surtout, mais surtout, 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 merci énormément pour tous les messages que j'ai reçus, que ce soit des messages privés, que ce soit les réponses sous les commentaires. 48 minutes 16, ok, bien joué. Les réponses sous les photos, enfin sous les posts Insta en commentaire, c'est énorme. Franchement, j'ai reçu, je sais pas combien de messages j'ai reçus, mais c'est... On s'attend jamais à recevoir autant de messages, et franchement, rien qu'un bravo, ou rien qu'un merci, rien qu'un like, rien que... Enfin, voilà, c'est... Franchement, merci beaucoup. Rien que quand j'étais à Chicago avant la course, j'ai eu énormément d'encouragement, et ça fait super plaisir. Et même ce que je disais après, c'est... Une course, c'est pas forcément un record, mais quand même, on s'entraîne. Et même s'il n'y a pas de record, ça enlève en rien tout l'entraînement qu'on a fait avant. Donc même quand on ne bat pas le record et que les gens continuent à nous encourager et nous supporter, ben, franchement, ça fait super chaud au cœur. Donc merci pour ça. Et ça sera le mot de la fin. Donc le mot de la fin, c'est merci, merci, merci et encore merci. Et si je ne fais pas trop ma blonde, je vais enregistrer ce live et je vous le mettrai sur YouTube. Voilà, à très bientôt et bonne soirée, bon appétit. Si vous n'avez pas mangé, moi je vais aller manger. À très vite, ciao ciao.